Votre attention, s'il vous plaît, reprise de l'acte 1. Merci à tous les figurants de bien vouloir patienter. Merci. Toi, tu fais quoi? Ça dépend. La figuration, là, par exemple, c'est temporaire. J'aime pas trop les trucs fixes. J'aime pas trop... En fait, j'aime bien bouger. Être derrière un bureau, ça peut paraître commun, mais en tout cas, c'est pas mon... Enfin, c'est pas trop mon truc, quoi. Puis comme on sait plus chasser... Enfin, je sais pas chasser, moi, perso. Quoi chasser? Ben oui. Ce que je veux dire, c'est que nous, les hommes, aujourd'hui, ben, on sait plus chasser. Et si tu me mets dans une forêt, là, par exemple, tout de suite, maintenant, et ben, je saurais rien faire. C'est clair. Et du coup, on va dans des supermarchés, on achète des trucs, on va chercher des steaks. Et, mais ça, c'est pas de la vraie chasse. Hein. C'est pas de la vraie chasse au sens où... avec un arc. C'est pas du feu. Avec un arc, une flèche et le carquois. Alors, en bleu, ça, si c'est pour finir derrière un bureau comme un animal, à taper sur un ordinateur, par exemple, et ben, ben non. Moi, j'ai envie d'être un homme libre, j'ai envie d'être digne. J'ai pas envie qu'on me confonde avec un sanglier, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Votre attention, s'il vous plaît, à tous les figurants de l'acte. Attends, on est où, là? Acte 1. Ça va, on a largement le temps. Il paraît qu'il y a un lac sous l'opéra. Tu savais? Non. Vas-y, tu veux pas qu'on essaye de le trouver? Bah, t'es sûr qu'on a le droit? Je sais pas, on s'en fout. Viens, c'est marrant. Elle est quand même un peu salope, Isoute, non? Ah, tu trouves? Moi, j'ai parlé avec elle, elle a l'air plutôt sympa. Enfin, je veux dire, elle est simple. Je te parle de la vraie Isoute, pas de la chanteuse. Ah, pardon. La meuf, quand même, elle se tape le mec qui a buté son ex, le tout sous drogue. Mais c'est pas de la drogue. C'est un filtre d'amour. Non, mais c'est pareil. Bah, quand même pas, non. Faut plutôt voir ça comme un serment. Moi, je trouve ça beau. C'est la passion amoureuse. Non, c'est pas ça, l'amour. Ah bon, mais alors c'est quoi? J'en sais rien, mais c'est pas ça, en tout cas, là. Je sais pas, c'est morbide, quoi. Puis tout le monde crève à la fin, de toute façon. Mais tu sais, l'amour, c'est pas une assurance vie. Hein. Oui, mais lui, c'est pas non plus un suicide collectif. Là, là, ça manque quand même un peu de joie, cette histoire. Moi, je sais pas, ça, peut-être. En tout cas, moi, je trouve que l'amour pour toi, ça avait du bon. Mais ça, c'est parce que tu dois avoir une libido de droite, toi. Comment ça? Je sais pas, tenir la porte à une femme, ça doit te faire bronzer. Mais non, mais pas du tout. Courtoisie, c'est quand même vraiment un truc de misogyne. Bah, je crois pas, non. Je pense même que c'est plutôt de gauche. Ah ouais? Bah ouais. Les règles de l'amour courtois, c'était fait justement pour donner le pouvoir à la femme, pour pas la soumettre à la brutalité archaïque de l'homme. Tu comprends? Première loge. Et le chevalier, il devait faire vœu de docilité et de soumission. Il fallait qu'il choisisse une femme d'un rang social supérieur, comme ça il pouvait pas utiliser son pouvoir contre elle. Il était son vassal et elle était sa suzeraine. Je crois qu'il faut qu'on redescende. Moi, je te dis ça, c'est pour recontextualiser. Hein. C'était une avancée énorme pour les femmes. La dame, il fallait qu'elle montre une certaine distance, tu vois, une sorte de mépris. Comme ça, elle se rendait un peu inaccessible. Et lui, fallait qu'il la vénère. Mais quitte à accepter l'humiliation, le déshonneur. Comme ça, la suzeraine, qui le plus souvent était mariée à un homme plus puissant que son prétendant, pouvait le mettre à l'épreuve de mérite. Moi, je trouve ça plutôt de gauche. Voilà, un peu bizarre, ta gauche. De toute façon, la gauche, ça n'existe plus. Mais ça n'empêche pas de rester humain. Excusez-moi. Vous savez où sont les loges? La première à droite, ensuite deuxième à gauche. Après, il faut prendre l'ascenseur et c'est au niveau moins 20. Merci. De rien. Toi, en fait, ton problème, c'est que t'es amoureux de l'amour. Mais non, mais pas du tout. Mais si. Viens.
Tu places l'amour en dehors du réel, dans une sorte d'idéal. Tu crois au coup de foudre, à la magie, au filtre. C'est pas ça la vraie vie. Mais je suis pas cynique, c'est tout. J'ai conservé ma capacité à m'émerveiller. En Éthiopie, on dit qu'on a tous un zar en nous. Toi, tu t'es juste un petit peu déconnecté de ton zar. Hein. Un quoi? Un zar. C'est une sorte d'esprit étranger. C'est quelqu'un d'invisible qui vient vous rendre visite. Toi, c'est une sorte de fantôme, quoi. T'as vécu là-bas, en fait? Bah non. Et j'ai vu un documentaire sur YouTube la semaine dernière qui était très bien. Ah. Et finalement, l'amour, c'est un peu la même chose. C'est accepter que quelqu'un étranger entre en nous. Et pour ça, il faut un peu croire en la magie. Il faut un peu croire au monde invisible. Tiens, regarde. Quoi? Tu sais ce que c'est? C'est une cigarette? Non. C'est un filtre d'amour. Tu vois, j'ai écrit un poème à l'intérieur de ce papier et je l'ai roulé pour en faire une cigarette. Si une personne la fume, elle consommera mon amour et elle tombera immédiatement amoureuse. Je l'appelais la maladie de l'amour. Quoi, tu me crois pas? N'importe quoi. T'as peur de tomber amoureuse de moi, en fait. Tu me dragues, là? Non. Salut. Salut. Ça va? T'es dans le spectacle? Tu cherches une loge? Non, non, moi je suis le fantôme de l'opéra. Non, je déconne, en fait je fais le spectre dans l'acte 3. Enfin, c'est une panouille, mais ah, c'est... Ouais. Ben voilà. Ben salut alors. Salut. Bientôt, faites gaffe hein, parce que c'est un vrai labyrinthe ici, on se perd facilement. Ce que je veux dire en fait, c'est que c'est le trajet amoureux qui compte plus que l'amour en lui-même. Tu connais la carte de Tendre? C'est la carte d'un pays imaginaire qui a été inventé au XVIIe siècle par Madame de Scudéry. Attends, fais gaffe, là, tu marches. Et elle traçait le parcours de l'amoureux. Elle était parsemée de chemins, de villages, de lacs, de petites routes qui représentaient autant d'étapes de la vie amoureuse. Et à la fin du voyage, le chevalier, l'amoureux, l'aventurier, quoi, il atteignait par le nord les côtes de la mer dangereuse où éclatait la passion amoureuse. Et s'il parvenait à traverser cette mer... Fais gaffe, c'est vachement bas. Et si seulement il arrivait à faire ça... Alors s'ouvrait à lui une terre inconnue, ce qu'on appelait la terra incognita. Ça représentait la vie de couple, en fait. Ça fait longtemps que t'as pas baisé. Ma grand-mère, elle disait une chose super belle. Elle disait que quand on rencontre quelqu'un, il faudrait lui faire l'amour sur le champ. C'est la seule manière de le connaître vraiment. C'est sublime, non? Tu trouves pas? Ouais. Bon, évidemment, c'est impossible, mais il n'empêche que fondamentalement, c'est vrai. Et on y pense tous. Tiens, là. Nécessairement, on y pense tous les deux. On est seul. T'es un homme, je suis une femme. On est plutôt pas mal. Donc, il y a possibilité d'irruption du désir. Mais à ce moment-là, on sait qu'on tombe dans un cliché, donc on va y renoncer. Et c'est au moment où on va y renoncer que naîtra le désir. On est foutu. Tu me dragues, là? Non. Je renonce au fait de te draguer comme tout le monde, c'est pas pareil. Il aurait fallu qu'on fasse l'amour tout de suite, dès qu'on s'est vu. Mais j'en avais peut-être pas envie du tout. Moi non plus. Mais en parler, c'est l'avoir fait.